Bienvenue en heure de colle. C'est pas du Ghostbuster ça, franchement. Si tu veux amadouer les élèves, il faut aller à l'essentiel avec eux. Vous savez ce qu'on va apprendre aujourd'hui? L'histoire de Jeanne la Pucelle. Ok, tout le monde se calme, c'est pour de faux, ok? T'en connaîtrais pas, toi, du coup, une petite nana qui voudrait bien passer la soirée de mon anniversaire avec moi? Gratuitement. Ça, c'est Camille, ça. Ah ouais, cool. Franck. Quoi? Pas en peignoir. Oh bah oui, bien sûr. Et je te trouve encore plus jolie en vrai que sur ta photo de profil. J'aimerais pouvoir en dire autant. T'as les mecs, ils arrivent, ils ont fait 8 heures de bagnole, ils sont comme ça, le mec il ouvre la fenêtre pour mettre son ticket, il a la main molle, un coup de vent, pfff. Et il est pas programmé, il sait pas comment réagir. Bon, il réveille sa femme. Ah bah ouais. Ah ouais, ah bah ouais. Le ticket, le ticket. Ah, dis quoi, ticket, quoi? Là, 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 là! Va le chercher, va le chercher! Bam, bam, bam! Je peux pas, je suis trop près! Derrière, t'as 200 PO. Ah, t'as passé, connard! Du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'interphone. Vous avez déjà appelé, ces machins? Tu comprends rien? Prends son nom. Quoi? Je comprends pas! Venez, venez vite, ils vont me tuer, venez! Quand
printemps c'est quand? C'est quand le soleil et les grands ciels, l'espoir et le beau temps. Oui, mais quand reste-t-il du temps? Doit-on attendre de la science ou bien tout miser sur la chance? Ne plus jamais demander quand. Mais nous c'est maintenant. Mais nous c'est maintenant. Nous c'est maintenant. Et maintenant, maintenant. Tout le temps c'est urgent. Oui, nous c'est maintenant. On n'a plus le temps. Ravageuse, garce, orgueilleuse, perverse, manipulatrice. Policiers, juges, journalistes, opinion publique, tous rivalisent d'adjectifs pour dresser à charge le portrait de Pauline Dubuisson. La femme, c'est Edith Cresson. La voilà Matignon. C'était sans doute une connerie d'accepter Matignon. Cet accident de la route va faire la lumière sur un jeune homme de 21 ans, Vincent, et sur sa mère, Marie, admirable de courage et d'amour. Ce soir, un repas pour mon père. Oui, chef. Plongeur, commis, cuisinier, chef de partie, êtes-vous prêts? Oui, chef. Je veux lui montrer ce que je sais faire. Alors, il sera fier. Oui, l'apprenti. Feu, batterie, plan de travail, aspect. Oui, chef. Mais par quoi commencer? Par quoi commencer? Visons l'excellence. Nous ne visons rien. Ce soir, la soupe aux truffes VGA. Non, le gratin de canne écrevisse. La volaille de Bresse en vessie. Le filet de San Fernando point. Le lourd croûte de Charon. Ce soir, c'est le soir. Dans ma vie de recluse, je me revois parfois sur la scène de l'écluse, faisant mes premiers pas. Écoute, la même chose sans la voix cassée, la perruque et les lunettes, j'aime. Pardon ? Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. Écoute, on pourrait décider que tu chantes Barbara, mais avec ta voix, toi, ton identité. Pour moi, c'est ça rendre hommage. Mais si les gens viennent voir ce spectacle, c'est bien parce que c'est Brel et Barbara. Et non pas Laurent et Mario. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde et c'est Paris, nous deux. Écoute, si tu roules pas les airs, tu seras jamais Jacques Brel. En gros, tu me demandes de dire adieu à Barbara. La 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 la. En gros, oui. La 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 la.